Il est 8h au cœur de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge de Saint-Étienne. Une douzaine d'étudiants infirmiers sont réunis pour participer à une situation simulée. Deux étudiants volontaires, Anthony et Léo, analysent un scénario et se préparent à rentrer dans la chambre d'un patient, pièce située à côté de la salle de briefing. La salle de situation simulée est équipée comme une vraie chambre d'hôpital, munie d'une glace sans teint, permettant au formateur de suivre l'exercice. Le mannequin réagit exactement comme un patient. Il peut même parler. Une application permet au formateur de piloter toutes les constantes du patient et ses paramètres vitaux. Fréquence cardiaque et respiratoire, pression artérielle, saturation et température. Ceci avant même le début de l'exercice. Une régie vidéo pilote des caméras de surveillance permettant aux autres étudiants de suivre la scène sur un écran géant. Il est 8h30, les étudiants entrent dans la chambre de Madame Martin. Bonjour Madame Martin. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, comment allez-vous ce matin? Oh, pas bien du tout. C'est-à-dire pas bien du tout? Eh bien, non, j'ai pas mal, mais je suis fatiguée et puis j'ai surtout très très froid. Vraiment, j'ai froid. Vous avez froid? Oui. On va vous couvrir un petit peu plus. Ah, c'est gentil parce que j'ai froid, mais même si il y avait une couverture supplémentaire, ça serait bien. Oh, ça peut se trouver. On ira la chercher juste après. Pour l'instant, on va prendre vos constantes. À travers la glace sans teint, la formatrice joue le rôle de la patiente et dialogue avec les étudiants en direct. Oula, oui. Deux formateurs surveillent la simulation. Un pilote les caméras. Un autre dialogue avec les étudiants et pilote le mannequin. On va vous lever un peu les jambes, madame. Et alors, comme j'ai 40, vous allez faire quoi pour moi? On va vous brancher le perfalgan, donc ça fera déjà descendre un petit peu la température. Un troisième formateur peut éventuellement observer la scène. J'appelle l'infirmière. Le patient a une très forte fièvre et son état général se dégrade. Les étudiants décident alors d'appeler l'infirmier, rôle joué par l'un des formateurs. Oulala, combien vous dites, attention? D'accord, alors vous la découvrez, vous mettez le perfalgan, vous le branchez bien, vous accélérez son programme qu'elle a en cours et on va vous envoyer un médecin. D'accord, très bien. Merci bien. On attend que le médecin arrive avec l'infirmier, d'accord? Ok, on vous remercie. Débriefing. À la fin de l'exercice, commence le débriefing. On va les débriefer. Nicole Querc, formatrice, définit pour nous ce qu'est la situation simulée. La situation simulée, c'est d'abord un outil pédagogique qui permet de mettre l'étudiant dans la situation, dans une situation de soins qui soit au plus proche de la réalité, en fait. La simulation, donc, on en fait tous et depuis longtemps. Ce qui est nouveau pour nous, c'est la simulation pleine échelle et avec un matériel qui nous permet de mettre les étudiants en situation réelle. On a beaucoup de possibilités avec le mannequin. On peut faire alors à la fois beaucoup de gestes, donc être dans la simulation qu'on appelle plutôt sur la procédure, donc sur l'acte technique. Hein, on peut intuber le patient, on peut le sonder, on peut le perfuser. Il est interactif, on le fait parler. On peut modifier ses paramètres vitaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas avoir du coup sur l'acteur vivant. Là, dans la simulation pleine échelle, on va au plus près de la réalité, c'est-à-dire que l'étudiant est seul ou en binôme dans la chambre du patient et il n'y a personne d'autre qui est dans la chambre du patient si ce n'est le patient. Ils savent qu'il y a des observateurs qui sont soit derrière une glace sans teint, soit dans une salle de l'autre côté, mais par expérience, ils l'oublient très vite et ils se retrouvent dans un contexte vraiment de situation de soins. Bon, en fait, ouais, carrément, on le sent super bien. C'est impressionnant, ouais, du coup, qu'on arrive à avoir un mannequin qui c'est assez réel, en fait, puisque, ouais, on enfonce.
même endroit et on a vraiment la sensation d'avoir, d'avoir un pouls, on le sent bien. Bon, comment s'est passée cette simulation alors du coup? Bah, très bien, je trouve. C'était super intéressant de pouvoir avoir déjà une mise en condition avant par rapport au scénario qui était proposé. Donc déjà, ça nous mettait déjà un petit peu dans le bain. Et puis après, on se retrouvait dans le couloir avec nos instruments. Et puis après, on rentrait dans la chambre vraiment comme à l'hôpital. Enfin, voilà, on avait la chambre de notre patient, on frappait, on rentrait avec notre matériel et du coup, après, ça découlait comme une situation en stage, quoi. La prise en charge du patient, au départ, il y a la première appréhension des caméras, qu'est-ce qu'il faut faire, on est jugé, on n'a pas envie de faire d'erreur, et puis on l'oublie très très vite, en fait, parce qu'on se focalise sur le patient, sur les actes, sur la prise en charge du patient, quoi. Donc... Le contexte ne perturbe pas votre naturel ou crédibilité? Non, pas du tout. Ça ne vous incite pas à être différent? Ah, pas du tout, non. Non, c'est pas... Ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis déjà pas. C'est plus par rapport à mon patient. Voilà. Qu'est-ce que je vais améliorer pour avoir une meilleure qualité de soins? D'accord. Ça apporte de l'expérience et en même temps de l'expérience en ayant le droit à l'erreur. C'est vrai que ça, c'est important. En service, on l'a vraiment pas. On n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on peut vraiment faire des erreurs et en tirer les leçons. C'est plus un travail d'analyse, je dirais, du côté observateur, puisque nous, on n'a pas le stress du soin. Nous, on est vraiment dans le je regarde et j'analyse ce que font mes collègues. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas dans le jugement dans ces situations. Comme nous le répètent les formateurs, on est vraiment dans travailler sur les erreurs qu'on peut faire et éviter toutes les premières fois sur le patient. On se rapproche au plus près, c'est entre la théorie et le réel au final, et c'est un bon lien, quoi. Alors le débriefing, c'est le moment clé et c'est le moment qu'il ne faut pas rater en tout cas. C'est vraiment le moment qu'il ne faut pas rater parce que la scène sur une heure de séance, finalement la scène en elle-même dure une dizaine de minutes. C'est-à-dire il faut absolument guider les étudiants et les amener à réfléchir sur ce qui s'est passé. Il y a des étapes à faire dans le débriefing, il y a des étapes à ne pas sauter, à ne pas louper, et pour pouvoir amener les étudiants à se mettre dans cette position d'analyse. Par exemple, moi je préfère me planter ici, oui, sur mon mannequin, et que derrière j'ai un débrief en me disant, regarde, pense à ça, ou pense à tel cours, ou revois tel cours, ça permet peut-être d'être plus sûr de soi, et peut-être d'avoir les équipes qui permettent, sur le terrain de stage, de peaufiner certains actes ou certains gestes avec des vrais patients. C'est bien de débriefer avec plusieurs personnes, dont les acteurs, et à la fois ceux qui ont pu observer. Parce qu'il y a des choses que, quand on est acteur, on ne pense pas forcément à faire. Alors que quand on est juste observateur, on peut penser à des choses que, dans le feu de l'action, on ne ferait pas. Là, j'avais l'impression d'être en stage un petit peu. On est vraiment dans une chambre, la chambre est bien représentée. Le mannequin est bien malade. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression d'être en stage. Et c'est grâce au stage qu'on peut arriver à faire une situation comme celle-ci, mais c'est aussi grâce à des situations comme celle-ci qu'on peut avoir un lien avec le stage. Une machine à créer de l'expérience et aussi, je pense, à se prendre confiance en soi sur son futur métier. On a quand même l'impression que les étudiants, du coup, ont plus de facilité à s'approprier du contenu de tout ce qu'on essaye de leur faire passer. Alors parfois en théorie, on fait beaucoup de cas concrets, mais des cas concrets sur le papier, ça reste sur le papier. En plus, ça favorise énormément la réflexivité, qui est quand même un des atouts aussi du professionnel de santé. Réfléchir, se poser les bonnes questions, et je trouve que c'est un outil qui nous permet d'atteindre cet objectif.